Oh, une enfant trouvée. Mon livret, rendez-moi mon livret, vous m'avez volé, rendez-moi comme mon... tu es mauvaise. Je ne suis pas mauvaise, madame. Moi, je vaux mieux que les autres, que tous les autres. Rendez-moi mon livret. Nous ne te voulons pas de mal. Nous voulons seulement savoir qui tu es. Mais c'est pour ton bien, comprends-tu? La pupille dénommée au présent livret a été confiée le 25 janvier 1922 à la femme Françoise, demeurant à Soulanges, dans la Nièvre. Soulanges, c'est près de Nevers? Des bons malheureux chez maman Nini. Tu viens chez maman Nini? Non, après j'étais chez tante Thérèse. Pourquoi es-tu allée chez tante Thérèse? Pour apprendre les fleurs. Les fleurs? Mais oui, le 20 juin 1928, l'enfant Angélique Marie a été confiée à Thérèse, femme de Louis Franchomme, tous deux fleuristes, demeurant à Paris. Ah, fleuriste. Et tu aimais les fleurs? Oui, madame. Mais alors pourquoi n'es-tu pas restée à Paris? Je ne sais pas. Ils sont morts? Oui, monsieur. Tous les deux? Oui, madame. Et après ça, tu es venue à Beaumont, chez le frère de Thérèse. Chez les époux, comment dis-tu? Ratier, rabier? Rabier. Qu'est-ce que c'est que les rabiers? Des tanneurs, madame. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui habitent près du Lignol? Si, monsieur. Ah, je comprends, pauvre petite. Pourquoi es-tu partie? Parce que... Papa, il battait tout le temps. Ils ne t'ont pas vu te sauver? Oh, non, non. Hier, le jour de Noël, ils ont bu. Alors, ils m'ont battu. Puis, ils se sont jetés l'un sur l'autre. Ils sont tombés tous les deux par terre. Moi, je les ai cru morts. Alors, je me suis sauvée. Mais où voulais-tu aller?